talked about the generations and it said we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. I think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous faire un petit discours qui me il y a des trucs qui me chiffonnent un peu en France. Et je vais vous dire, vous allez peut-être trouver ça bizarre que je filme une vidéo avec un masque. Mais c'est pour vous montrer que moi je me protège. Il y a des gens comme des... Bon, je vais vous dire à combien... Ah merde, qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi. Ce que je veux dire, par là, je vais pas vous situer de nom parce que j'ai les noms des gens, je les connais pas. Mais je vais essayer de vous... pas vous poser de questions, mais vous dire des réponses. Après, si vous voulez, quand je lance cette vidéo et sur YouTube, si vous voulez mettre des commentaires, vous pouvez... Mais après, vous faites ce que vous voulez. Je vous joins à mettre des commentaires quand même sur ma chaîne YouTube, sur cette vidéo. Bon, les choses que j'ai à dire. Déjà une. Dans les bus, le truc que je trouve pas ça de normal, c'est que les jeunes, ou comme les chauffeurs de bus, certains chauffeurs de bus, je suis d'accord, ils mettent des masques quand ils sont au volant. Je suis d'accord, ils ont une vitre qui les protège. Mais pour moi, ils sont pas si protégés que ça, les chauffeurs de bus. Ce genre, je suis désolé, pour moi, les chauffeurs de bus sont pas si protégés que ça. Avec tout le monde qui éternue, qui tousse, je suis désolé, mais ils sont pas si protégés que ça. Et ils devraient mettre des masques aussi. Alors, à nous, ils nous disent de mettre des masques, les chauffeurs de bus, et ils en mettent pas. Ok, je suis d'accord, ils sont protégés par la... par le plexiglas, ou je sais pas trop ce qu'ils ont mis. Au niveau 2, mais de, certains ils en mettent, alors ça c'est bien qu'ils en mettent certains, mais certains n'en mettent pas. Et ça, je trouve pas ça normal. Après, de 2, c'est que les jeunes, quand ils montent dans le bus, je suis d'accord, les chauffeurs, ils ont peur de se prendre encore, je sais pas, de se prendre un coup par les jeunes, parce que les jeunes, je les vois bien souvent, ils montent dans le bus, ils ont pas de masque. Le chauffeur ne dit rien, pourquoi? Parce que vous avez déjà vu à Bayonne, le chauffeur a dit de mettre un masque à des jeunes. Mais ils l'ont pas mis après dans une laverie, je crois, à Paris ou je sais pas trop où. Le gars de la laverie leur dit je sais plus trop quoi de mettre un masque, ils le mettent pas, ils arrivent avec des battes de baseball et ils le foutent sur la figure. Moi je trouve pas ça normal. Vous trouvez ça normal? Bon, on va passer sur ça. Après, 2-3. C'est que, là, ce message que j'ai à vous faire passer, c'est que je peux... Non, ce message que j'ai envie de faire passer à tout le monde, à tous mes compatriotes, à tous mes... Voilà, parce que moi, j'ai envie de faire passer à tout le monde. Je sais que je ne suis pas connu dans le football. Je vais vous dire, je suis football... pas football. Je suis footballeur amateur en club adapté. Un club de foot adapté, mais je vous fais passer ce message quand même. Tous les footballeurs professionnels
ou je sais pas, ils ont fait passer des messages, je suppose. Alors moi, j'ai envie de faire passer un message, même si je suis footballeur amateur, je préfère quand même faire passer un message. Alors, ce que je veux vous dire, par là, c'est que mettez les masques maintenant. Ça ne sert plus à rien de dire, ouais, c'est des conneries de ne pas mettre le masque. Le gouvernement, c'est là. Mais non, c'est pas... Faut arrêter un peu de mettre tout sur le dos du gouvernement. Faut arrêter maintenant. Le gouvernement a dit de mettre des masques. On met les masques dans les bus. Et s'il y a une deuxième vague et qu'ils disent de le mettre dans la rue, vous mettez le masque dans la rue. Parce que les flics, je veux pas dire les flics, mais si la police essaye de... La police, si vous voit sans masque et qu'ils vous mettent une amende, ça sera tant pis pour vous. Ça, je vous le dis bien, ça sera tant pis pour vous. C'est tout. Ça sera vraiment tant pis pour vous parce que vous avez... Si on arrive sur une deuxième vague et que Bordeaux est en zone rouge, ou je sais pas si elle est déjà en zone rouge, mais je suppose que non, pas pour l'instant, ils ont dit Bordeaux, un an ils ont dit Marseille, je sais plus trop après où ils ont dit. Bon, mais mettez le masque si Bordeaux arrive en zone rouge dans les rues, à la rue Sainte-Catherine. Apparemment, on m'a dit qu'il fallait mettre le masque. C'est bizarre quand même, personne ne le met. À la rue Sainte-Catherine, oui, il y a quelques gens qui le mettent. Il y a quelques personnes qui le mettent. Mais autrement, il n'y en a pas beaucoup qui le mettent ce masque à rue Sainte-Catherine, dans la rue Sainte-Catherine. Et moi, je trouve pas ça normal. Alors, déjà deux. Déjà trois, ça c'est fait. Déjà quatre. C'est que le masque, même dans mon école, ils ne le mettent plus. Moi, lundi, quand je vais reprendre l'école, je vous préviens, à l'école, je mets le masque. Et si le foot est interdit, si le football, on ne doit pas faire de football à l'école, ce n'est pas grave. Le tournoi entre nous à l'école, à l'IMPRO, ce n'est pas grave, je le repousserai à l'année prochaine, ou je vais voir. Mais autrement, voilà, il faut mettre le masque partout maintenant. Je fais passer ce message à tout le monde. Même que ça ne plaise pas aux gens ce que je dis, je m'en fiche. C'est juste parce que j'ai envie de vous prévenir d'une chose. C'est s'il y a une deuxième vague, ou si vous l'attrapez, c'est sûr que vous allez être très très malade. Et ça embêterait certaines personnes. Ça embêterait certaines personnes de chez vous. Je dis ça pour tout le monde. Si vous l'attrapez et que votre famille après... Elle est obligée d'aller vous voir à l'hôpital, mais derrière une glace, c'est vrai que ça serait pas marrant. Ah, je dis bien à tout le monde de mettre son masque au maximum. Après, si vous voulez pas le mettre, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ce que je vais vous dire, si vous voulez pas le mettre, allez-y, mettez-le pas. Mais ne le mettez pas. Mais c'est que le truc, le masque, voilà ça. Je sais pas ce que je peux commander. Déjà, si vous ne mettez pas le masque, vous pouvez le faire attraper à plusieurs personnes. Après, déjà une et déjà deux. Si vous ne mettez pas le masque et que la police monte dans le tram ou qu'il vous voit dans la rue. Bon, dans la rue, pour l'instant, c'est pas obligatoire. Mais si vous ne mettez pas le masque dans le tram ou dans le bus, que les contrôleurs ou la police montent, bim, une amende. Et de déjà trois. Le truc que je comprends pas, c'est que dans les arrêts de tram, ils disent le port du masque est obligatoire dans le tram, dans le bus et dans les arrêts, aux arrêts de tram et de bus. Et le truc que je trouve pas ça normal, c'est que les gens ne le mettent pas aux arrêts de tram ou de bus. C'est pas normal, je trouve ça. Je trouve pas ça normal. Bon, en venant sur mon école, je vais laisser aussi un message à mon école. Lundi 31 août, c'est la rentrée scolaire. Pour mes copains et pour moi, dans l'école là où je suis. Lundi 31 août, c'est la rentrée scolaire. Mais, mettez le masque. Mettez-le à l'école, mes chers amis. Parce que moi, je vais l'avoir toute la journée. Si on est privé de foot, même pendant la récré, je vous promets, mettez le masque. Ça sera mieux. Je vous laisse ce message aujourd'hui, mais j'en laisserai un peut-être dimanche après-midi. Pour... Ou voilà, sur YouTube.
mais mettez le masque. Même si les éducateurs vous disent non, ne mettez pas le masque, ça sert. On nous a dit ça sert plus à rien. Je vous dis de le mettre, mes chers amis de l'école. Parce que si vous ne mettez pas le masque et que vous l'attrapez, le Covid, c'est sûr que ça sera malheureux pour vous, malheureux pour, comment dire, pour votre famille. Mais mettez-le. Je sais que dans cette école, il y a pas mal de jeunes qui ont des problèmes de santé. Hein, je vous conseille de mettre ce masque, de mettre le masque et pensez aux autres. Pensez à ceux qui ont des problèmes de santé. Oh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans l'école, s'ils vous disent de ne pas mettre le masque, et si les éducateurs ou le directeur ne le mettent pas, moi j'ai une chose à faire. Je vais écrire une lettre au gouvernement, au président de la République, et je vais le dire au président de la République en lui écrivant une lettre. Que les éducateurs ne mettent pas le masque. Et moi, je vais vous dire que ça va être du rapide si les éducateurs dans mon école ne mettent pas le masque ou les profs ou voilà, le directeur. Bon, le directeur, lui, ça passe. Il n'est pas toute la journée dans son bureau, je ne vais pas dire ça. Nouveau directeur dans notre école ou dans mon... Voilà, dans notre école, à nous. Mais... C'est vrai, il faudrait qu'il le mette, lui aussi, le masque. Ah, il faudrait qu'il mette le masque. Moi, si je vais voir le docteur de l'école, je sais qu'il y a un plexiglas devant, même si on est protégé. Sur les côtés, il n'y a pas de plexiglas. Elle a mis juste un plexiglas. Le docteur cuisinier, docteur de notre école, elle a juste mis un plexiglas sur le bureau, mais c'est autrement sur les côtés. Qu'est-ce qu'elle est en sécurité? Elle n'est pas si en sécurité que ça, notre docteur à l'école. Elle n'est pas si en sécurité que ça. Sur les côtés, si on a, ça nous dit d'enlever le masque, mais comme moi, une fois, je suis allé voir, c'était avant les vacances, je suis allé à Lyon pour certaines choses, pour aller voir le docteur. Elle m'a dit, veux-tu pas enlever ton masque? Je l'ai enlevé, mais la bêtise que j'ai faite, je n'ai pas voulu l'enlever, mais si elle me dit de l'enlever, moi je l'enlève, mais moi maintenant, si elle me dit de l'enlever, je vais le garder mon masque, ça sera mieux. C'est comme ça, il n'y aura pas de bêtises de fait, ou on ne dira pas que c'est de ma faute comme ça à l'école. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, c'est que aussi, le masque, il faut le mettre. Ça m'embêterait que vous l'attraperiez, même les gens dans la rue qui l'attraperaient, ce Covid, ce coronavirus, ça serait dommage. Les gens dans la rue, il faut qu'ils mettent. Bon, pour l'instant, c'est pas si obligé. Pour l'instant, dans la rue, ce n'est pas obligé, mais dans les trams, il vaut mieux qu'ils les mettent. Ça m'embêterait si quelqu'un aurait le coronavirus. Voilà. Attraper le Covid. Voilà. Mais on n'est pas très loin de la zone rouge. Alors, maintenant, ce que je vais vous dire. Si on est en zone rouge, mettez le masque. Si on est en zone rouge, je vous dis, mettez le masque. Parce que ça sera mieux de le mettre. Dans les rues et partout. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Mettez le masque quand vous êtes... Si on est en zone rouge, mettez-le. Si on est dans la rue, si on est dans le tram, partout. Même au cinéma, on est obligé de le mettre. Mais c'est normal. Vous avez vu combien de monde est mort, combien de personnes est décédées à cause de ce truc, de cette maladie. Écoutez ce qu'il vous dit le gouvernement. Si vous écoutez pas, c'est sûr que déjà, vous ne pensez pas aux autres. Alors déjà une, si vous n'écoutez pas le gouvernement, vous ne penserez pas aux autres. Si vous ne mettez pas le masque, c'est sûr que moi, je vais vous dire que vous ne pensez pas aux autres. Si vous ne mettez pas, pour moi, vous pensez à personne même. Et déjà deux, vous pensez que à vous, les gens maintenant. Les gens de maintenant, ils pensent que à eux. Et ça, faut que ça s'arrête, que les gens de maintenant pensent que à eux. Bon, je vais pas m'énerver pour ça. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire pour tout le monde. Même pour mon école, une bonne rentrée scolaire. Dimanche, combien ça va? Combien dimanche? Attendez. Ah oui, c'est vrai, le 30. Dimanche 30, c'est ça. Oui, dimanche 30 octobre, dans l'après-midi, je ne sais pas trop vers quelle heure, mais la rediffusion sera peut-être la rediffusion sera peut-être le lundi. Je vais la mettre sur YouTube, la vidéo de dimanche. Mais il y aura, vous ne pourrez pas la voir au départ.
ça sera lundi matin avant de partir à l'école avec le bus comment ça s'appelle le bus pas le bus scolaire, moi je prends plus le bus scolaire le lundi, mais le bus de ville avant de partir avec le tram et le bus 64, le bus de ville. Je mettrai la vidéo, celle-là je la mets aujourd'hui, enfin, celle-là elle est pour aujourd'hui, je la fais ce matin, mais elle est pour aujourd'hui. Mais voilà ce que je veux vous dire par là, c'est que je ferai une vidéo dimanche 30 août et après lundi je la mets sur en diffusion, je la diffuse toute la semaine, vous pourrez la voir jusqu'au vendredi, et après vendredi soir partir de 23h, c'est du privé, la vidéo elle arrive en privé, je la mets comme privé la vidéo. Mais pensez à mettre le masque, si on vous dit mettez le masque, vous voyez, même moi pour la vidéo je le mets le masque, même j'ai personne qui me filme, le portable est posé sur la table, j'ai personne avec moi, mais je le mets quand même le masque. Bon, quand je suis tout seul non, mais c'est pour vous montrer qu'il faut le mettre, même dans la rue je le mets le masque. Même dans la rue, je le mets. Je le mets partout, le masque, maintenant. Quand hier, j'ai entendu qu'à Marseille, ils étaient en zone rouge, ou pas même dans certains départements, même hier, dans la rue, je l'ai mis. Ça me fait peur, cette maladie. Alors, j'espère que vous le mettrez. Mettez le masque. C'est obligé. Je sais que vous n'êtes pas obligé de le mettre dans la rue, que dans les trams, c'est obligé. Mais mettez-le. Pensez aux autres. Ils sont plus fragiles que vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que c'est surtout un truc. Protégez-vous au maximum. Et ceux qui l'ont, restez chez vous et reposez-vous. Ceux qui ont le Covid, mais restez chez vous. Je sais que ça a l'air fou ce que je dis, mais ceux qui attrapent le Covid, ou alors ceux qui sont à l'hôpital, bon, ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Mais ceux qui ne partent pas à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de problème de santé et qu'ils l'attrapent, moi je sais, la soeur à mon frère l'a attrapé le Covid. Le docteur est venu la voir, ou elle est allée voir le docteur, ou je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est passé un truc. Elle est restée chez elle. Elle s'est reposée, et vous voyez maintenant, la soeur à mon père, même c'est ma tante, et puis la soeur à mon père, elle est encore là. Ça l'aurait fait, ouais, allez, je pars avec la voiture, je vais faire des courses avec le masque, mais non, quand t'as le Covid, reste chez toi, repose-toi, ne sors pas. Même si t'as le masque, ne sors pas, c'est là que tu risquerais d'atteindre plus ta santé. D'aggraver plus ta santé, alors reste chez toi si tu as le Covid-19. Bon, je vais pas rester. Bon, allez, je vous dis bonne rentrée scolaire et à dimanche pour la rediffusion de lundi. Allez, salut! Oh,
aussi essayez de partager cette vidéo pour que tout le monde entende. Allez, bonne rentrée scolaire, à dimanche.